Une fois de plus, le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco ont fait sensation sur le rocher. Mais cette fois, le couple de Monaco n'était pas uniquement en compagnie de leurs enfants Jacques et Gabriella, comme lors du Grand Prix de Monaco, mais à leur côté, se trouvaient également d'autres membres de la famille princière de Monaco, à savoir la princesse Caroline de Monaco et Stéphanie de Monaco. En effet, il s'agissait d'une date et d'une journée d'ailleurs importante pour la famille princière de Monaco. Ce 31 mai 2023, le Rocher inaugurait un été de festivités en l'honneur du centenaire du défunt prince Rainier III, père du prince Albert de Monaco, de la princesse Stéphanie et Caroline de Monaco. Cependant, la belle princesse Charlène de Monaco a démontré toute sa complicité avec ses adorables enfants lors de cette journée très spéciale, et dans cette nouvelle vidéo, nous vous donnons plus de détails. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille princière de Monaco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière monégasque. Merci, tout simplement heureuse, comme ces derniers temps, rien ne rend plus radieuse la belle princesse Charlène de Monaco que de passer beaucoup plus de temps avec ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco. Ainsi, l'épouse du prince Albert II de Monaco était une nouvelle fois tout sourire ce 31 mai 2023, alors que débutaient les festivités en l'honneur du centenaire de la naissance du prince Rainier III, ce beau-père, que la princesse Charlène de Monaco n'a malheureusement pas connu, car il est décédé depuis 2005. En cette journée particulière donc, la ravissante princesse Charlène de Monaco n'a pas quitté d'une semelle ses deux adorables enfants, que ce soit lors de l'atelier peinture, ou le soir, à l'occasion de la présentation d'un énorme gâteau d'anniversaire. Cependant, sa belle-sœur, à savoir la princesse Stéphanie de Monaco, qui prépare ce centenaire depuis plusieurs mois, a alors donné le top départ des festivités auxquelles la princesse Charlène de Monaco, toute souriante, a participé avec joie. De ce fait, il était question d'un défilé de voitures anciennes conduites par les enfants et petits-enfants du prince Rainier, d'un concours de dessin sous l'égide de la propre fondation de la princesse Charlène de Monaco, de l'inauguration d'une exposition de sculptures, et bien évidemment du découpage d'un énorme gâteau le soir venu. Toutefois, le prince Jacques et Gabriella de Monaco, sous le regard affectueux de leur mère Charlène, ont cependant aidé leur tante Stéphanie de Monaco à trancher le délicieux dessert. Comme on peut déjà le remarquer, le prince Jacques et sa sœur Gabriella sont de plus en plus à l'aide lors des sorties officielles. Comme les jumeaux du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène de Monaco, les enfants du palais Grimaldi sont toujours les plus attendus lors des événements princiers. Si ce 31 mai 2023, le futur prince de Monaco, à savoir Jacques, et sa sœur Gabriella de Monaco, étaient entourés de la majorité de leurs cousins, ils ont toutefois montré leur proximité avec ces derniers lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le 28 mai dernier. Pendant ce bel événement, le prince Jacques, prince héréditaire, a alors fait une incroyable arrivée aux côtés de son père Albert II à bord d'une berline sombre, attachée à ses côtés sur le siège avant, avec une main sur le rebord de la vitre, lunettes de soleil, comme son papa sur le bout du nez. En un seul mot, il était adorable. Le petit garçon a par la suite été photographié en compagnie de ses parents, tenant alors sa sœur Gabriella de Monaco par les épaules. À leur côté, leur cousin Raphaël Elmaleh, le fils de Charlotte Casiraghi et Gaël Mallet, a également été aperçu, adorablement chic dans un costume cravate, ainsi que la bouille craquante du fils d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, à savoir Sacha Casiraghi. Dès lors, en attendant vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette célébration du centenaire du prince régné par ses enfants. Merci une fois de plus et comme toujours, restez scotchés.